Salut les amis, c'est Vapo. Je fais une vidéo très rapide. On va pas s'éterniser sur le sujet, mais je voulais la faire quand même. C'est une sorte de vlog sur la boxe Noisy Cricket, où il y a encore des personnes. Je sais pas si t'as de nom, je m'en fous. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour balancer. Elles se reconnaîtront de toute façon. Qui se permettent encore de dire que sur la Noisy Cricket à 0,1 ohm. On est en sécurité, on est safe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Bah, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que quelqu'un me prouve vraiment par A plus B que c'est vrai, moi je dis c'est faux. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité, je ne suis pas un cador de l'électricité, mais quand j'ai une box et que je mets sur cette box qui a des accus en série, une résistance à 0,1 ohm, que je me retrouve donc aux alentours de 470 watts, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, et que cette box, au bout de taf, elle est brûlante, je me dis que les accus à l'intérieur, ils doivent être pareils, et c'est confirmé, de toute façon, ils sont pareils, ils sont brûlants, et ça ne doit pas les arranger. Alors, certes, ça va peut-être pas dégazer d'un coup, comme ça, de toute façon. Et vaut mieux jeter la box avant que ça nous dégaze et que ça nous pète à la gueule. Mais les accus, ils prennent cher. Le problème est, c'est que en disant des trucs comme ça, les débutants, ils vous lisent et ils se disent, bah si lui il dit, bah pourquoi pas. Après tout, je vais croire celui qui dit ça et puis je vais essayer. Le problème, c'est que derrière, ce que vous savez pas, c'est que peut-être qu'il utilise des accus qui sont pas compatibles avec ce genre de box. Parce que j'ai lu quand même des mecs qui avaient acheté la Noisy Cricket et qui mettaient des accus d'ordinateur dedans. Donc là, c'est clair et net, il va droit dans le mur. Donc il se met en danger total. Et même s'il utilise des accus de bonne qualité, et je lis aussi des articles, enfin des posts de personnes qui ont acheté cette box et qui ne savent pas faire un coil, qui ne savent pas faire un montage et qui ne savent pas, ça veut rien dessus. Et qui demandent plein de renseignements sur Facebook. Alors il y en a certains qui vont leur donner les bons renseignements, mais c'est pas dit que derrière lui, quand il va se retrouver devant son ato et qu'il va faire son montage, que le montage va être propre, bien monté, et qu'il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas un court-circuit ou quoi que ce soit. Et rien ne dit non plus que l'ato sera vraiment compatible à cette box. Je vous rappelle que l'ato, pour qu'il soit compatible, il faut qu'il ait le pin up positif qui dépasse largement du pin de la connexion 510. Si c'est pas le cas, court-circuit, et qu'est-ce qui se passe en court-circuit? Les accus surchauffent d'un coup et peuvent, par contre, cette fois-ci, arriver au dégazage. Donc c'est dangereux. Il y a un article qui a été balancé ce matin sur Vaporgate par lequel un mec s'est fait exploser le doigt. Alors, prenons toutes les mesures nécessaires par rapport à cet article. Dans le sens où la box est prise en photo sur un bureau et que le doigt du type qui s'est fait éclater la box dans la main, il prend son doigt dans une bagnole. Alors peut-être qu'il a un bureau dans sa voiture, mais j'en doute. Sorti de là, je le redis, on est safe sur ce genre de box à entre 0, allez, on va dire grand maximum, parce qu'il y en a qui vont encore insister, mais grand maximum 0,5 ohms. Et jusqu'après, 1 ohm, 2 ohms, peu importe. Mais en dessous, c'est une hérésie. C'est une connerie. Là, je suis toujours sur mon ato à 0,7. Voilà, on a une production de vapeur qui est bonne. Je vais prendre un autre ato. Hop. Qui permet aussi de prouver que là, je suis à 0,20. 0,28, je crois. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu la différence? La différence, là on est avec cet ato-là. Alors je crois qu'on est à 0,28. On va regarder. Comme ça. Et là, rien que le fait d'avoir déjà appuyé deux fois dessus, ma box elle est déjà chaude. On est à 0,29 là. D'accord? 0,29. Bah, quand je vois la box là, comment à cet endroit-là, et comment commence déjà à chauffer. Bah, je me dis que je suis pas forcément en sécurité. Donc voilà, il faut pas dire n'importe quoi. J'ai encore lu ce matin
un imbécile, j'appelle ça, hein, peu importe, je ne dirai pas le nom, mais qui dit qu'à 0-1 ohm, on est en sécurité sur ce genre de box en série. Ok. Le jour où ça va te péter à la gueule, eh ben faudra pas venir te plaindre. Mais en attendant, s'il te plaît, essaye de ne pas dire n'importe quoi sur les groupes. Je te rappelle qu'il y a des gens qui te lisent. Il y a des gens qui te lisent. Donc voilà. Sorti de là, voilà. Ça va certainement pas plaire cette vidéo à certaines personnes. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je m'en branle. À un moment ou à un autre, si vous n'êtes pas content des vidéos que je fais, pour certains, hein, je parle pas de la majorité parce que la majorité reconnaissent le travail effectué, parce qu'une vidéo ça se fait pas comme ça toute seule en claquant des doigts. Si vous êtes plus malin, eh ben, vous vous mettez derrière une caméra, vous nous montrez comment vous êtes capable de vaper à 470 watts, parce que moi je veux vous voir vaper à 470 watts, et puis c'est parti, pourquoi pas? Mais même si vous arrivez à vaper à 470 watts, ça veut dire que vous avez des poumons en titane, j'en sais rien, vous êtes vraiment très très fort, mais quel est l'intérêt? Parce que le rendu de saveur à 470 watts ne sera pas mieux qu'à 80 watts sur ce genre de box. L'ATO, il va fonctionner de la même façon. Mais voilà, stop aux conneries. Maintenant, il y a aussi deux personnes, je voulais leur préciser, qui sont venues se permettre de m'insulter sur ma vidéo quand j'ai fait la nausée cricket, par lequel j'étais un caliméro, que j'étais une pleureuse. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous êtes super fort derrière votre clavier. Mais point, après, vous n'êtes pas grand-chose pour moi. D'accord? C'est pas parce que je suis un mec qui a un shop que je peux pas vous dire à un moment, merde. Donc maintenant je vous le dis en face et je vous le dis pas par écrit, je vous dis merde. Voilà, si vous n'êtes pas content de la façon dont je fais les vidéos ou quoi que ce soit, bah vous les regardez pas. C'est comme quand celui qui regarde le journal de Claire Chazal, s'il n'a pas envie de regarder le journal de Claire Chazal, bah il change de chaîne. Bah là vous faites pareil. Voilà, c'est tout. Mais venir m'insulter derrière un ordinateur, c'est tellement petit que voilà. Et je voulais le dire parce que vous commencez à me gonfler. Voilà. Vous commencez vraiment à me gonfler. Vous n'avez pas de couilles. Et quand on n'a pas de couilles, et ben à un moment, bah on reste tranquille, pépère, et on vient pas la ramener. Point. Sorti de là, pour les autres personnes qui se reconnaîtront, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao.